Salut, bienvenue pour les foins 2023. Alors cette année il a fait beaucoup de pluie, donc j'ai dû attendre jusqu'au 15 août pour enfin me décider, parce qu'il faut attendre plusieurs jours de sec consécutifs. Sinon j'aurais pu faire ça début juin, mais bon, j'ai pas envie de faucher tout le temps. Alors après une petite révision du tracteur, la pression des pneus, l'huile, point de graissage, j'ai aussi changé la batterie, comme ça il démarre beaucoup mieux. Puis je vais juste atteler la faucheuse et enfin on va y aller. Donc je me suis mis un peu d'eau dans ma bouteille de pirate, c'est parce qu'il fait très chaud. Why is the rum gone? Ah bah j'ai oublié les clés. Alors, première tentative. Donc le truc c'est déjà d'atteler le point le plus bas. Si ça va pas assez bas, il faut soit régler la chandelle, soit tout démonter. Ensuite, mettre le troisième point. Et en jouant avec, ça déplace légèrement la machine. Et si ça suffit pas, on peut démarrer le moteur et relever les chandelles. Bon voilà, c'est mis. C'est pas toujours facile de filmer en galérant. L'idéal c'est d'y mettre toute sa force physique et sa masse pour rentrer dans les bitonniaux. Alors il faudra encore resserrer l'écartement ici, ici. Mettre en place la cardane entre l'outil et la prise de force du tracteur pour entraîner l'outil. Et aussi mettre le flexible hydraulique. Ça se relève très bien mais le bouchon du haut fuit un peu. Il faut pas oublier non plus d'enlever le pied. Parce que sinon on démarre en tracteur et paf le pied. J'ai changé les deux petites rondelles en cuivre ici, j'ai bien serré avec la douille de 21 et puis bah du coup je l'ai perdu, c'est malin. Sinon maintenant ça fonctionne bien, prêt à faucher, mais on va faire la petite pause déjeuner. J'ai fait des grandes lignes droites en plein milieu pour ensuite éviter de rouler sur le futur foin à faucher. Ça je roule sur le foin déjà fauché là. Hier j'ai pas fini de couper, il a fallu qu'on aille au restaurant asiatique. Donc je vais finir aujourd'hui. Je suis jamais trop sûr si la faucheuse est bien réglée. Mais en tout cas ça coupe. Alors je prends pas en travers des pentes parce que c'est assez dangereux. Le tracteur il pourrait verser comme on dit en Bourgogne. Et il y a quelques endroits qui sont encore un peu humides, qui glissent. Et si on va trop vite, le tracteur peut commencer à s'embourber. Maestro, comment ça va?
Voilà, j'ai fini de faucher hier. Là, j'ai attelé la faneuse. Il fait vraiment très chaud aujourd'hui. On peut pivoter les roues pour que plus ou moins ça prenne les bords ou pas. Généralement, il faut faire plusieurs passages. Là, tellement qu'il fait chaud, peut-être que ce sera sec dans la journée. Faner, ça sert à brasser le foin pour que celui qui soit mouillé en dessous puisse revenir au-dessus et comme ça, il sèche au soleil. Randin du soir, bonsoir. Alors là, ça permet de faire des belles lignes bien droites pour ensuite ramasser le foin et pouvoir le presser. Cette année, j'essaye de faire des trucs vraiment droits. La réparation de la chaîne à rouleaux de l'année dernière, sans matériel. C'est juste une rondelle fendue. Je vais changer ça. Alors, ajoute une petite rondelle derrière ce petit engrenage. Et celui-ci, il n'y a plus qu'à le monter un peu pour tendre la chaîne. Que j'essaye d'expliquer un peu la presse basse densité. Il y a de la ficelle, Sisal 370. Ça va là. Là. D'ailleurs, ici, il y a un point de graisse. On passe par en dessous. C'est pas toujours pratique, faut s'allonger par dessous. Ensuite ça passe au dessus de celui là dans celui ci derrière et enfin dans la barre qui relève jusqu'à là haut. Et la première fois qu'on place la ficelle, faut partir du relevage et faut faire un nœud sur cette barre là, n'importe quel nœud du rond, ça tient à peu près, ça va s'occuper de le casser tout seul. Bon, le compteur ne marche toujours pas. Il y a plein de petits points de graisse à mettre là. Partout, partout. Ici aussi et ici aussi. Alors ce qui se passe, c'est quand le foin rentre, ça fait tourner légèrement cette roue. Et une fois qu'elle a assez fait de tour, ça claque. Et ça fait un retour de nouage. De façon tout à fait mécanique.
Bon voilà, c'est presque terminé. Je tourne la conclusion maintenant parce qu'il va bientôt faire nuit. Il a fait très chaud aujourd'hui, j'ai fait 10 heures de boulot de suite. Je suis exténué. Alors cette année, je ne mets pas de foin sous bâche parce que ça m'agace sous la bâche. Il y aura des zones genre du blé, du sarrasin, du seigle, de l'avoine, on verra. Il y aura aussi du foin qui servira au potager. J'en ai déjà mis une petite vingtaine à l'abri, ça servira pour les poules. On n'a pas encore de chèvres, c'est pas encore le projet, donc ça sert à rien d'en stocker de trop. Bon, moi je vais essayer de ramasser le reste avant la nuit. Et ensuite on fera un barbecue et ce sera rock'n'roll.